Depuis quelques jours, ils n'ont que ces mots à la bouche. Le NBA Paris Game. Ces fans de basketball étaient prêts à tout jeudi pour assister au match opposant les Hornets de Charlotte aux Bucks de Milwaukee. Certains se sont affrontés lors d'un concours de tir. Un seul en est sorti vainqueur. Il s'agit de Nolan. J'ai pris le tir, j'ai eu de la chance et j'ai gagné mes deux places pour demain. 24 heures plus tard, c'est avec sa mère que Nolan a décidé d'assister au match. Elle est aussi passionnée que son fils par le basket. Moi, je suis ravie parce que c'est un cadeau d'anniversaire surprise. Voilà, donc je ne m'attendais pas à voir un vrai match de basket de championnat en France. Voilà. L'affiche est déséquilibrée sur le papier. Les Bucks, meilleure équipe de la Ligue américaine pour le moment, comptent parmi leurs joueurs Giannis Antetokounmpo. Celui qui est surnommé le Greek Freak, le monstre grec, a été élu meilleur joueur de la saison régulière l'an passé. Les Hornets, eux, 12e à l'Est, sont emmenés par Nicolas Batum, le capitaine de l'équipe de France de basket. Leur président est une figure très connue des fans de NBA, puisqu'il s'agit de l'ancienne star des Chicago Bulls, Michael Jordan. On est content d'être là. J'imagine que les 28 autres équipes aimeraient être à notre place. Si la Ligue vient vers nous et nous invite à tenter l'expérience, c'est super pour notre culture, pour que les joueurs puissent voir un autre pays et s'ouvrir un peu. C'est un moyen d'unir tout le monde. Dans la file d'attente, quelques fans surexcités qui ont parfois parcouru des milliers de kilomètres pour pouvoir assister à l'événement. Cela fait 40 ans que j'attends de voir un match de NBA, car ce n'est pas possible pour moi d'aller jusqu'aux États-Unis. Je suis venu de Varsovie. Il devrait jouer plus de matchs en Europe, ce serait génial. Et dans d'autres villes d'Europe aussi, parce que parfois, ça peut être compliqué d'aller jusqu'à Paris ou Londres. Si le résultat final est sans surprise, Milwaukee s'imposant face à Charlotte, le spectacle était au rendez-vous pour les supporters. Certains ont déboursé jusqu'à 1500 euros pour avoir une place. Mais pour la plupart, aucun regret. Super match, c'était exceptionnel de voir Giannis Antetokounmpo, Nicolas Batum en France, c'était génial. De voir un match NBA en France, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est super pour la NBA et pour les fans français. Qu'ils puissent assister à ce que nous, on voit tous les jours aux États-Unis. Certains pourront renouveler l'expérience, d'autres la vivre pour la première fois l'année prochaine. Puisque la Ligue américaine l'a confirmé, Paris accueillera un nouveau match de saison régulière en 2021.